Bonjour, je suis Peggy Travadon et aujourd'hui je vais vous parler de l'association CVK. Alors CVK s'appelait Carnet de voyage du Corégan au départ et il a été pensé en 2015 suite à différents questionnements qui m'ont amené à des prises de conscience. J'étais directrice d'un accueil de loisirs, j'entendais les besoins de garde des parents sur les horaires décalés. J'entendais parler de bienveillance de plus en plus, d'envie de bien-être sans que les gens en connaissent forcément le mode d'emploi. J'étais enceinte de mon troisième enfant, j'ai fait un burn-out et là je me suis posée. J'ai tout posé aussi sur papier, les besoins des parents et mes propres besoins. De ces besoins, des actes ont suivi. J'ai créé l'association CVK en février 2016, dans laquelle je donnais des cours de dessin, de chant et de danse. Et je me suis formée aux techniques de la communication bienveillante en passant un diplôme de sophrologue. Vous étiez... Parallèlement, je travaillais toujours sur l'idée de la création d'un centre de loisirs à horaire atypique qui a mis 6 gens à voir le jour. Le temps d'obtenir tous les agréments, les locaux étroitement liés aux agréments. Carnet de voyage devient centre de vie du Corégan, centre de vie quotidien du Corégan.